L'huile de colza, le plein d'oméga 3. Propriétés, utilisation et contre-indications. Découvrez toutes les propriétés et applications de l'huile de colza dans notre guide pratique. Origine. Reconnaissable à ses grappes de fleurs de couleur jaune vif, le colza est une plante de la famille des crucifères. Cultivée en Europe, au Canada et en Chine, ce sont ces petites graines noires contenues dans ses fruits, ou siliques, qui sont convoitées. C'est en effet de leur pressage, première pression à froid, qu'est extraite l'huile de colza. Les propriétés de l'huile de colza. L'huile de colza se démarque des autres huiles végétales grâce à sa teneur élevée en oméga 3,9%. De plus, son rapport oméga 6/oméga 3 étant inférieur à 4, elle concourt à la bonne assimilation de ces deux acides gras essentiels. Assez discret dans l'alimentation, les oméga 3 ont pourtant un rôle crucial dans le bon fonctionnement du cerveau. Cette huile prévient certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer et la dépression. Les bienfaits de l'huile de colza se font sentir également sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Ils empêchent la formation de caillots dans les artères, réduisent l'hypertension, suppriment les triglycérides en excès et contribuent à diminuer le risque cardiovasculaire. De plus, l'huile de colza est également riche en oméga 9, 60%, ce sont les mêmes acides gras présents dans l'huile d'olive qui aident à lutter contre le mauvais cholestérol. Elle contient, pour finir, de la vitamine E antioxydante qui limite le vieillissement prématuré des cellules. Conseil santé, prendre une cuillère à soupe d'huile de colza par jour couvrira la moitié de vos besoins en oméga 3 et un tiers de vos besoins en vitamine E. Les applications cosmétiques. En plus de son aspect santé, l'huile de colza trouve sa place en cosmétique. En effet, cette huile dite « sèche » est très pénétrante et est idéale pour les massages, additionnée par exemple de 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle. Régénérante et réparatrice, elle convient à tous les types de peau. Autre conseil sur les huiles et la beauté. Voici nos avis sur d'autres huiles végétales pour une beauté naturelle. L'huile de lin, le must des acides gras pour l'organisme. Comment éviter l'huile de palme? L'huile de noix, l'équilibre parfait oméga 3/oméga 6. L'huile de pépin de raisin, ses vertus sur la santé et en cosmétique. L'huile d'arachide, une huile précieuse et aux nombreux bénéfices. Outre les bienfaits de l'huile de colza sur le système nerveux et sur la santé cardiovasculaire, cette huile végétale possède également des vertus hydratantes. Vous pouvez vous en servir comme huile de massage pour le corps afin de chouchouter et adoucir votre peau. Vous avez aussi la possibilité de l'employer dans un DIY de soins pour le visage afin d'avoir bonne mine. Effet garanti et teint éclatant, même en hiver. Quel rapport entre huile de colza et peau? Source de vitamines et des oméga 3, l'huile de colza bio permet de prévenir le vieillissement cutané et donc de préserver l'élasticité des peaux matures et sèches. Certains lui prêtent même des effets bénéfiques en cas de problème dermatologique, mais on préférera d'autres huiles végétales aux propriétés cicatrisantes, huile de ricin bio par exemple. Par ailleurs, on constate plusieurs bienfaits de l'huile de colza sur les cheveux. Appliquez cette huile végétale nourrissante sur votre cuir chevelu et vous arborez une magnifique crinière souple et brillante. Même si cela est moins connu du grand public, l'huile de colza pure s'utilise en cosmétique, tout comme l'huile de sésame ou l'huile d'argan. On retrouve parfois cet ingrédient de beauté 100% naturel dans des savons bio. Huile de colza, quelle utilisation cosmétique? L'huile de colza peut également être utilisée à des fins cosmétiques en raison de sa teneur en acides gras essentiels et en vitamine E. En effet, ses composants aident à nourrir la peau et à la protéger contre les dommages causés par les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré de la peau. Cette huile végétale peut ainsi être utilisée comme ingrédient dans des produits de soins pour la peau, tels que des crèmes hydratantes ou des huiles de massage. On peut, par ailleurs, s'en servir comme ingrédient dans les produits de soins capillaires, en raison de ses propriétés nourrissantes pour les cheveux. Elle contribue à hydrater les cheveux secs et à réduire les frisottis, tout en leur donnant de la brillance. Attention toutefois, l'huile de colza peut s'avérer comédogène pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'elle peut obstruer les pores de la peau et causer des imperfections. Il est donc recommandé de faire un test de patch avant de l'ajouter à ses préparations cosmétiques. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner,
pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.